Julien Sombès, bonjour. Je suis le responsable de l'entreprise SGRP, entreprise spécialisée dans le secteur de restauration de monuments historiques pour la partie pierre de taille et maçonnerie. Voilà, je vais vous présenter le chantier sur les remparts de Lectour. Ce chantier consiste à reprendre des parties déjà effondrées et consolider des parties en instance d'effondrement. Voilà. Donc le principe est simple, il y avait des parties qui étaient déjà étayées. Nous restituons le parement avec une pierre neuve qui est issue de notre carrière. Carrière qui est basée sur la commune de Biran, donc c'est un matériau local, calcaire, marneux, de couleur ocre, qui est équivalent à la pierre qu'on peut retrouver sur les bâtiments à Lectour et plus particulièrement sur la partie nord du Gers, sachant que sur la partie sud, on trouve beaucoup plus des grès. Voilà. Donc, nos travaux consistent, un, à reprendre les parties déjà effondrées, restituer les parements avec cette pierre neuve, et deux, consolider les parties déformées, menaçant d'effondrement. Soit par la dépose du parement et la repose, en remplaçant les pierres défectueuses, ou alors en consolidant en faisant des injections par coulis de mortier de chaux. Une fois ces consolidations faites, nous faisons un nettoyage du parement et ensuite un rejointoiement. Également une patine sur les pierres neuves pour les intégrer au mieux à l'existant.